retrouvons donc sur le site de bord de Mayenne, à La Jaillivon. La Jaillivon, c'est le premier village du département du Maine-et-Loire, lorsque nous arrivons de la Mayenne. C'est une zone que nous avons aménagée en 2011. Nous avons refait le camping municipal. 2011, ça correspondait aussi à l'ouverture du chemin de halage, l'itinéraire vélo francette. C'est ce qu'on veut, mais on n'a pas les compétences techniques. Je savais que le département pouvait nous aider sur ce sujet. Tout d'abord, les services du département ont fait un état des lieux. Ils ont aussi regardé à toutes les contraintes environnementales, urbanistiques, pour pouvoir essayer de mettre nos idées en pratique, en fait, tout simplement. Et ensuite, ils nous ont créé un cahier des charges pour faire une consultation au niveau des bureaux d'études qui, eux, approfondiront le sujet. C'est donc un accompagnement gratuit et précieux de la part du département. Sans lui, on n'aurait pas réussi à mettre nos idées en place. La place Norbert d'Avignon, c'est le futur centre de Jarzay, si on veut, de Jarzay Village, puisqu'on a comme projet de réinstaller plusieurs services publics et surtout de rénover cette place qui est devenue très vilaine avec le temps. Il fallait absolument qu'on en fasse un cœur de village, quelque chose de beau, quelque chose de pas de somptueux, mais quelque chose de pratique, de convivial pour les habitants et où il y ait tous les services autour. Dans les petites communes comme les nôtres, on n'a pas les services techniques avec monsieur travaux publics, bâtiments, etc. Donc pour nous aider au cheminement, on pouvait faire appel au département. C'est là qu'on a rencontré Adèle Roche. Elle est venue donc sur place. Elle nous a fait un constat en se baladant dans la commune, et puis elle a bien compris notre préoccupation. Elle nous a fait voir la commune, enfin un état des lieux de cette place, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, et elle nous a fait cheminer. Elle nous a mis en place un cahier des charges techniques de façon à pouvoir passer un appel d'offres pour trouver un bureau d'études qui corresponde à ce qu'on cherchait. Le département nous accompagne aussi sur l'analyse des besoins sociaux. C'est quelque chose qui était en retard pour ma commune, une étude qu'on avait mis de côté tout en sachant bien qu'il fallait qu'on la fasse. Et quand le département nous a offert la possibilité, pareil, avec une ingénierie idéale pour nous accompagner, nous avons sauté sur l'occasion. Ça met le point sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, mais sur ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est bien.